Une préparation assez courte, donc bon, on a fait un bon travail de préparation. On est à peu près dans les temps, voilà, sur les coordinations défensives et offensives. On a gagné nos matchs, mais c'est que les matchs amicaux, donc c'est pas révélateur. Et surtout, on n'a pas joué tous les adversaires. Donc là, on va jouer à l'Euro-Essonne des équipes qui sont un peu différentes de ce qu'on a joué. Plus petites, plus mobiles, mieux organisées collectivement aussi. Donc ça va nous poser des problèmes différents. Donc après ce tournoi-là, on aura touché un peu à l'éventail de ce qui est possible de trouver sur notre route. Et l'important, c'est de gagner voilà, les matchs qui sont importants, c'est-à-dire se qualifier étape par étape et puis gagner les matchs couperets à la fin. On a un peu toujours la même stratégie, c'est-à-dire qu'on prend sur un premier tournoi une équipe, enfin c'est pas un tournoi, c'est on rencontre une équipe 3 fois pour se régler, travailler. Deuxième tournoi, on fait 3 équipes différentes. Là, on a joué Biélorussie, Lituanie et Russie qui sont des équipes toutes du même style, des équipes assez grandes, assez athlétiques, à droite. Et sur le dernier tournoi, on va rencontrer des équipes un peu différentes dans l'esprit. Bon, le Canada mis à part, la Turquie et l'Espagne vont nous présenter un profil différent. Des équipes qui sont plus petites, plus mobiles, qui jouent plus vite, voilà, qui sont moins athlétiques et moins grandes, mais qui nous posent d'autres problèmes.